qui est observateur, spectateur. Celui qui a fait les 21 jours, je sais qu'il ne le saura pas. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait les 21 jours, qui vient seulement aujourd'hui et qui a l'air d'attendre les autres qui ne se mettent pas devant moi. Ici, c'est ceux qui veulent prier et trouver Dieu. Parce que toutes les paroles que Dieu a prononcées pendant ces 21 jours, aucune ne restera sans effet. Une personne est venue malade, elle dit à Dieu, il faut que ça s'arrête. Et la manifestation de cet arrêt doit se concrétiser ce soir. Voilà pourquoi il ne faut pas que ton voisin soit spectateur. Il ne faut pas que quelqu'un essaie de te distraire ou ne soit pas focalisé. Nous avons besoin ce soir d'être comme le peuple de Génézareth, enthousiaste, fervent, bouillant. Ce soir, c'est une histoire entre Dieu et moi. Ce soir, c'est personnel. C'est à la fois corporatif et à la fois personnel. Ce soir, il faut que le feu soit sans précédent. Ce soir, Dieu merci, nous avons déjà plusieurs témoignages de personnes visitées. Mais ce soir, mets un bouquet, Père. Mets un seau. Pas un seau final, parce que tu n'as pas fini de bâtir nos vies. Mais un seau à ces 21 jours de prière et de supplication. Alors nous allons élever la voix et recommander cette soirée. C'est un peuple assoiffé. Mama, let's go. 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 Let's go.
de ma carne, de ma persona, de ma cuore. Ayant les regards fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ce soir nous sommes fixés sur toi, Père. Arrête ma marque, fixé sur toi, Père. Fixé sur toi, Père. Fixé sur toi, Père. Nous avons les yeux fixés sur toi, Père. Nous avons les yeux fixés sur toi, Père. Nous avons les yeux fixés sur toi, Père. Notre foi est fixée. Notre focus est fixé sur toi, Père. Notre attente est fixée sur toi, Père. Notre espérance est fixée sur toi, Père. Notre focus est fixé sur toi, Père. Fixé sur toi, Père. Nos cœurs sont fixés. Fixé sur toi, Père. Notre vision est fixée. Fixé sur toi, Père. Notre attente est fixée. Fixé sur toi, Père. Nous n'attendons pas un homme. Fixé sur toi, Père. Nous sommes tous heureux. Fixé sur toi, Père. Comme à Jérusalem. Fixé sur toi, Père. Nous sommes tous fixés. Fixé sur toi, Père. Fixés sur toi, Père. Comme Bartimée. Fixés sur toi, Père. Comme la femme avec la perle de sang. Fixés sur toi, Père. Comme la femme cananéenne. Fixés sur toi, Père. Père, nous sommes. Fixés sur toi, Père. Comme le paralytique. Fixés sur toi, Père. Élevé par Pierre et Jean. Fixés sur toi, Père. Ce soir nous sommes fixés sur toi, comme les 120 disciples dans la chambre haute, sur toi, comme les disciples à la Pentecôte, sur toi, alors qu'ils attendaient de ta part sur toi, la manifestation de la promesse. Carré, carababo, scellé des babos, ce que tu avais annoncé. Tu as dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez tous mes témoins, comme les 120 disciples dans la chambre. Oh, oh. Nous aussi dans notre épaule, comme ils s'attendaient à toi, Père. Sont fixés. Fixés sur toi, Père. Notre santé est fixée. Fixés sur toi, Père. Notre délivrance est fixée. Fixés sur toi, Père. Notre guérison est fixée. Fixés sur toi, Père. Vos sont malheur et marrer. Fixés sur toi, Père. Et les ramades et les ramos et les démons. Fixés sur toi, Père. Fixé sur toi, Père. Je ne suis pas fixé sur mon voisin, mais fixé sur toi, Père. Je suis fixé sur Christ. Fixé sur toi, Père. L'espérance de la gloire. Fixé sur toi, Père. Rosso.
Notre espérance est ce soir. Notre destinée sont ce soir. Notre témoignage est fixé. Notre éclat est fixé. Pour notre éclat, nous sommes fixés. Pour notre rayonnement, nous sommes fixés sur toi, Père. Pour notre émergence, nous sommes fixés sur toi, Père. À cause de la fin du combat, fixés sur toi, Père. Que tu as déjà déclaré, fixés sur toi, Père. Nous voulons te dire que ce soir, fixés sur toi, Père. Nous sommes, fixés sur toi, Père. Fixé sur toi, Père, Dieu est avec nous.
Tu vas élever la voix, nous allons élever la voix. Sur, dans toutes les salles, nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu, je suis fixé sur toi. Je suis focalisé sur toi. Je ne suis pas focalisé sur la douleur. Je ne suis pas focalisé sur les blessures. Je ne suis pas focalisé sur mon âme. Ce soir, je suis venu te dire que mon cœur est fixé sur toi. Christ, auteur de ma foi, perfectionneur de ma foi, allons-y, tout le monde élève la voix, tout le monde élève. Déclare, déclare, proclame, proclame. Oh, chère et ma boko, chère et ma. Yéne et ma, yéne et bro, socara et ma bro. Yéne et bro, chère et ma. Irara ma bro, chère et ma bro, chère. Dis, je ne suis pas fixé sur mes douleurs. Je ne suis pas fixé sur mon passé. Je ne suis pas fixé sur mes problèmes. Je ne suis pas fixé sur les maladies. Je ne suis pas fixé sur les démons. Je suis fixé sur toi. Je regarde à Jésus, l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection. Je m'accroche à la croix. Je regarde à la croix. Je regarde à l'autel de la croix. Je regarde là où tout est accompli. Je vois le portrait. Je vois Jésus cloué à la croix. Et je le vois à la croix. Je vois cette scène. Je vois les maladies. Je vois les maladies qui me quittent et qui sont allées sur Jésus à la croix. Je vois le rejet qui quitte ma vie pour aller sur Jésus à la croix. Celui qui ne connaissait pas le péché. Celui qui ne connaissait pas le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je regarde, fixé à la croix. Regarde à la croix. Rattaché à les mots. C'est à la croix qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix que les réclamations démoniaques, les réclamations sataniques s'arrêtent, que les voix qui réclamaient ta vie cessent de parler. C'est à la croix que le mandat d'arrêt spirituel qui était émis contre toi et qui avait le droit de te condamner et de te poursuivre, c'est à la croix qu'une voix est sortie et a dit non coupable, mandat d'arrêt illégal, il est détruit. Les carrés de la barre possèdent les mains. Fixe la croix. C'est là où regarde la scène. Regarde la scène. C'est ce qu'il est en train de me dire. Regarde la scène. Regarde comment les maladies te quittent. Elles sont allées sur lui à la croix. Regarde comment les démons quittent ta vie. Et pour aller oppresser le corps de Jésus à la croix. Regarde l'échange qui s'est produit. Ta délivrance a eu lieu à la croix. Elle n'a pas lieu aujourd'hui. Elle n'aura pas lieu aujourd'hui. Elle a eu lieu à la croix. Rosso Pamara de Rima Bocos. Yé de Mabro Pos, Yé de Rima. Y
Proclame que tu regardes la croix. Proclame ce qui s'est accompli à la croix. Regarde comment la pauvreté passée, présente et future a quitté l'humanité pour aller se greffer sur Jésus. Il s'est fait pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ça n'a pas lieu aujourd'hui. Il a été maudit afin que vous soyez bénis. Ça n'a pas lieu aujourd'hui. Ça a eu lieu à la croix. Et ce qui va se passer ce soir, c'est la manifestation de ce qui a été accompli et qui est déjà déroulé. C'est un film en différé. C'est un film qui est déjà fini et que tu vas commencer aujourd'hui. Fixés sur la croix, nous sommes fixés sur la croix. Déclare, fixés sur la croix. Je ne considère pas, fixés sur la croix. Comme ma main, je ne considère pas, fixés sur la croix. Je ne considère pas ma condition, fixés sur la croix. Je ne considère pas mes circonstances, fixés sur la croix. Je ne considère pas ma santé. Je ne considère pas ces oppressions. Fixé sur la croix. Ce soir, je déclare que je suis. Fixé sur la croix. Ce soir, je proclame que je suis. Fixé sur la croix. Annonce, annonce que tu es fixé. Fixé sur la croix. Et les mamans proposent les mamans. Fixé sur la croix. Vois la richesse. Fixé sur la croix. Est-ce que tu peux voir la guérison? Quitter Jésus et venir à toi. Et la maladie te quitter et aller sur Jésus à la croix. Comme tu vois l'échec te quitter et aller sur Jésus et la réussite illimitée. Quitter Jésus à la croix et venir sur ta vie. Du monde, afin que nous devenions justice de Dieu, afin que nous soyons déclarés non coupables. Il a été condamné pour nous, il n'a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce sur quoi nous nous appuyons. Voilà ce à quoi nous regardons. Ce soir, nous sommes focalisés. Fixés sur la croix de Jésus. Fixés sur la croix. Sur l'autel le plus puissant du monde. Fixés sur la croix. Chez les mamans, fixés sur la croix. Réparer la maman, posséder la maman, réparer les mots. Là où le sang a été versé, le sang de Jésus. Là où le sang le plus puissant de l'univers a été versé à la croix. Et a commencé à parler, et peut parler ce soir. Le sang peut parler, et dire j'ai racheté ce peuple. Tu ne peux pas le retenir, Satan. C'est un peuple racheté. Tu ne peux pas le retenir. Il y a un mandat qui parle à notre faveur, signé avec le doigt de Dieu, marqué, écrit par le sang de Jésus. C'est le mandat qui va passer dans les rangées ce soir. Les anges vont présenter ce mandat. C'est un mandat de réquisition divine qui va passer dans les rangées et il va parler. Et là où il y a les squatteurs du royaume des ténèbres, il va parler. Attends-toi à les voir partir. Mais pour cela, tu vas être fixé. Pas sur un pasteur ou une église. La solution a été
c'est mon frère et ma soeur. Ma foi est fixée. Mon cœur est fixé. Ma destinée est fixée. Pour ma santé, je suis fixé. Pour ma libération, je suis fixé. Pour ma guérison, je suis fixé. Pour ma percée, je suis fixé. Est-ce que tu parviens à regarder? Est-ce que ton cœur parvient à voir? La foi est une ferme assurance. Mais la foi est aussi une démonstration, une conviction ferme de quelque chose que l'œil ne regarde pas. Mais que le cœur peut voir. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire à tout ce qui te troublait, à tout ce qui te frustrait, tu vas dire, regarde la croix, je vois le transfert. Et tu vas élever la voix, tu vas dire, regarde la croix. Je ne sais pas à quelle montagne tu vas parler, mais tu vas parler à la montagne qui t'oppressait, à la montagne qui t'accablait. Tu vas dire à cette montagne, regarde, montre-lui la croix. Tu dis, je vois avec les yeux de l'esprit. Regarde comment tu es en train. Regarde comment tu as quitté ma vie et tu as été porté par Jésus. Et regarde comment la faveur, la grâce et le bonheur ont quitté Jésus et ont été transférés. C'est ce qui va se manifester. Mais tu vas parler à cette montagne. Quelle que soit cette montagne, quel que soit son nom. Si on a dit qu'elle était impossible à déplacer, tu regardes la montagne. Dis-lui, voilà ce qui s'est passé à la croix. Je te vois. Regarde comment tu as quitté. C'est pas tu vas quitter. Regarde comment tu as quitté ma vie. Regarde comment tu as allé te greffer sur Jésus. Regarde comment la chose est venue. La faveur, la richesse, la guérison, la libération, la connaissance, l'intelligence. Regarde comment ces choses ont quitté Jésus pour venir sur moi. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. C'est ce qui s'est passé à la croix sur le plan invisible. Ce n'était pas physique. C'était dans le monde spirituel. C'est là qu'il a désarmé, dépouillé les autorités et les dominations. Et a publiquement livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Là, à la croix. Annonce. Proclame, parle à cette montagne. Échappez-le et l'amour. Dis-lui, regarde la croix, regarde. Vois la scène. Dis-lui, salivat chronique. Esprit des eaux, regarde. Sorcellerie, tu n'as pas compris ce qui s'est passé à la croix. Regarde, je vais t'enseigner la vérité. Regarde. Regarde comment les démons qui t'accablent, qui te tourmentent, qui t'oppressent. Ne vois pas ce que tu vis. Vois la croix. Il me dit, vois la croix. Sans la croix, il n'y a rien qui est possible. Si tu n'arrives pas à regarder avec les yeux du cœur, si tu n'arrives pas à voir la scène, c'est là que tout a commencé. Si tu n'as pas de montagne dans ta vie, alors tu pries pour l'église et déclare aux maladies, déclare aux démons, regardez, déclare à la pauvreté, déclare au manque, déclare, annonce que
C'est une soirée de prière et une soirée de feu. Mais le feu ne commence pas en dehors de la croix. Le feu a été libéré lorsque le Père a créé le sacrifice de la croix. Il a répondu par le feu. Il n'y a pas de feu en dehors de l'autel de la croix. Il y a l'esprit de pauvreté, il y a l'esprit d'échec, il y a l'esprit d'infirmité, il y a ces démons, il y a l'esprit de sorcellerie. Regarde la croix. Tous les démons qui sont après ta vie et ma vie, tous les démons qui harcèlent ton corps, ou qui harcèlent tes enfants, ou ta famille, tous les esprits de mort, de sorcellerie, le Saint-Esprit est en train de me dire, si tu ne regardes pas à la croix, tu vas regarder la mauvaise scène. Si tu ne regardes pas à la croix, tu vas dire, mais il se balade dans mon ventre, il se balade dans mon dos, il se balade dans ma jambe, il est en train de m'enrouler. Si tu ne regardes pas à la croix, tu vas décrire ce que tu es en train de ressentir comme symptôme. Si tu décris ce que tu ressens comme symptôme et tu passes ton temps à raconter tes symptômes, il me dit, tu n'es pas en train de regarder la bonne scène. Parce que ce que tu regardes, ce à quoi tu regardes, n'est pas la vérité. C'est une réalité qui est imprimée dans ton esprit par l'illusionniste, par le père du mensonge. Si tu regardes comment ils te poursuivent et comment ils t'accablent et comment ils te tourmentent, tu n'es pas en train de regarder la vérité. Tu es en train de regarder une réalité qui t'est communiquée par son allié, les cinq sens. Si tu ne regardes pas la croix, tu vas regarder à ce que la chair te montre et te fait ressentir. Cette chair travaille avec lui. Il est en train de me dire, regarde à la croix. Parce que tu veux être libéré. Mais ton désespoir que je vois dans ton cœur, ton désespoir prouve que tu ne regardes pas la croix. Ton désespoir, je n'en peux plus, j'en ai assez, il faut que ça finisse. Tu ne regardes pas à la croix, parce qu'à la croix c'est fini. Tu regardes à une illusion, tu regardes à un mirage. Tu regardes à une scène qui est trompeuse. Tu regardes à des réalités naturelles. Tu ne regardes pas aux vérités spirituelles. Sans la croix, sans la foi dans la croix. Et la foi voit la croix. Si tu ne le vois pas, comment peux-tu vivre ce que tu ne vois pas? Parce que la vérité, quand tu vas voir la croix, il m'a dit, tu vas voir Colossiens 2, verset 15. Tu ne vas pas voir des démons qui t'oppressent. Tu vas voir le partage des dépouilles. La Bible dit là, il a désarmé les autorités et les dominations. Si tu vois la scène de la croix, tu ne vas pas voir un démon qui te harcèle. Tu vas voir un démon à qui on a dit, donne ton épée. Enlevez-lui ça. Il a été dépouillé. Il a perdu son pouvoir. Et son pouvoir, c'est la ruse. C'est la tromperie. C'est la séduction. C'est la capacité à mentir. Ça, c'est son pouvoir. Mais si tu ne vois pas ça, si tu ne vois pas à la croix, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. La version du Seigneur dit, il les a désarmés. À la croix, tu dois voir quelqu'un qui avait du pouvoir,
et à qui on dit enlevez-lui son pantalon, enlevez-lui sa ceinture, enlevez-lui. Qui parlait Jésus à la croix lorsqu'il a vaincu? Il a enlevé lui ça, il n'a plus rien. Voilà pourquoi il veut dire mort, où est ta victoire? Mort, où est ton étendard? Même la mort a perdu son pouvoir de puissance. La mort a été dépouillée. Vois la croix. Regarde à la croix. Regarde comment le diable est en train de négocier. Regarde. Si tu ne regardes pas la croix, tu vas regarder à la chair. Comment il est en train de m'oppresser. Non. Regarde à la croix. Comment il est en train d'être déshabillé, désarmé, dépouillé, vidé de tout le pouvoir qu'il avait avant que ne vienne le Fils de l'homme. Il avait un pouvoir de nuisance. Il avait les clés de la mort. Il avait les clés du séjour des morts. Il avait les clés des abîmes. Il avait les clés de l'enfer. Il avait le pouvoir de faire du mal, de détruire, d'égorger, de dérober. C'est vrai, avant la croix. Mais à la croix, le Fils de l'homme est descendu aux enfers, dans les régions inférieures de la terre. Il est allé, la Bible dit, il est allé libérer les captifs, libérer des prisonniers. Il a dit à Satan, donne les clés de la mort, les clés du séjour des morts, donne les clés. Il a pris les clés, il a pris les captifs, il a pris des prisonniers et il les a ressuscités ensemble, avec lui, en lui. Les cachets des rêves, tu n'es plus dans la prison, regarde la croix. Acclame pour la croix, acclame pour la croix, acclame pour la croix. Rocher de la balance, yeah, yeah, de la balance, yeah, de la balance, de la balance, yeah, de la balance, 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 de la balance. Regarde la croix. Fixé sur la croix. Ah. Fixé sur la croix. C'est là que je suis. Sur la croix. Sur la fondation de ce qui est accompli. À partir de la croix. Est-ce que tu arrives à voir cette scène? Il y a un transfert, regarde. Il y a un transfert. Ces maladies. Je vois déjà des gens qui sont en train de guérir. Des maladies, des douleurs et des infirmités sont en train de se mouvoir. Si tu vois cette scène, quelque chose est en train de quitter ton corps. Des kystes, des fibromes sont en train d'être désintégrés maintenant. Des démons de peur, des esprits d'intimidation, des esprits de peur sont déjà en train de partir. On n'a même pas parlé, on n'a même pas commandé. Ils sont déjà en train de partir. Est-ce que tu arrives à voir cette scène? Regarde celui qui t'a pressé hier. Regarde les démons qui ont pressé ta vie. Si tu vois cette scène, je déclare qu'ils quittent maintenant. Ils quittent maintenant. Ce sont des illusionnistes. Cette douleur n'est pas réelle, elle n'est pas vraie. Cette douleur n'est pas vraie. Cette maladie n'est pas vraie. C'est une illusion provoquée par la chair. Elle est constatée dans le physique. Mais elle n'existe pas dans l'esprit. Elle quitte alors que tu fixes la croix. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de ce tourment? Quel est le nom de cet échec, de ce blocage? Quel est le nom de cette montagne? Annonce-lui et dis-lui. Fixé sur la croix.
nations. Il a dépouillé les autorités. Il a vaincu la mort de ce jour des morts. Il a triomphé du diable. Il a vaincu toute maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu le rejet, la peur. Il a déjà guéri les cœurs brisés. Il a déjà tout réparé. Regarde la croix. L'ennemi, le diable, a été tourné en ridicule. Et je déclare et je décrète que son ridicule se manifeste aujourd'hui. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de ses puissances par la croix. Cela se manifeste aujourd'hui. Parce que le chaos a été proclamé. Le juste juge a déjà proclamé. Il a déjà proclamé chaos. Victoire de Christ. Bon, chaos. Chaos sur l'esprit de punicité. Chaos sur la sirène des eaux. Chaos sur l'esprit de sorcellerie. Tout cela a eu lieu. Fixé sur la croix. Je vois le transfert. Fixé sur la croix. Je vois l'échange divin. Fixé sur la croix. Je vois des maladies qui quittent. Fixé sur la croix. Elles ont déjà quitté. Fixé sur la croix. Des maladies passées, présentes et futures. Fixé sur la croix. Les oppressions passées, présentes et futures. Les échecs passés, présents et futurs. Nous te remercions. Tu ne feras rien aujourd'hui que tu n'aies déjà fait. Tu vas juste manifester ce qui a déjà été scellé, ce qui a déjà été fini, accompli. Reste sur cette croix. Reste sur cette fondation. Reste cramponné à cet autel. Reste, ne bouge pas, reste là. Fixé sur la croix. 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 Fixé sur la croix.
merci. Prie en esprit. Si tu ne pries pas en esprit, remercie, célèbre Dieu pour la croix. Remercie Dieu pour la croix. Remercions Dieu. Remercions pour la croix. Remercions. Il y a des bras, le sol de ma barrière. Il y a des bras, le sol de ma barrière. Il y a des bras, le sol. Fais monter, tu dois élever ce qui s'est passé à la croix. C'est ce qu'on appelle la louange. Tu rends grâce, tu célèbres l'accomplissement de la croix. Pendant que tu célèbres, tu proclames. Proclame ce qui s'est accompli. Proclame que ça s'est accompli et que c'est ce qui se manifeste. Proclame. Élève la voix, proclame. Sur Internet, proclame. Remarque tout est accompli, 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 je crois, je suis certain, tout est accompli, je déclare, sur ma vie, ma destinée, ma santé, sur mon âme, sur mon corps, mes finances, sur l'église, sur mon futur, ma destinée, mon avenir, et ma base, et ma célérité, ma fécondité, le fruit de mes entrailles, je déclare pour l'avenir de mes enfants, pour l'enfantement, j'annonce le triomphe, la victoire, total sur les autres, de pauvreté, de misère, d'infirmité, de mort prématurée, de séduction, sur les blocages de mariage, c'est déjà sur ma santé, je déclare sur ma destinée, mon ministère, sur mon éclat, mon déploiement, mon expansion, de tous côtés, ma faveur, mon éclat, ma splendeur, ma libération, ma liberté, ma guérison, je déclare, depuis la croix de Golgotha, la croix de Christ, je déclare, je déclare, je proclame, je célèbre, me douter sur mes enfants, les paroles que j'ai prononcées s'accompliront, les rêves divins pendant ces 21 jours, les paroles libérées, les paroles reçues sont déjà accomplies. Pas douter, la victoire ressort à ma parole des mots. La victoire de la foi a déjà été proclamée par le juste juge. Il a certifié que c'est fini. Victoire de Christ dans ma génération, dans ma vie. Fin de ma chaos sur tout esprit méchant, sur les conditions qui semblaient impossibles, sur les montagnes qui se dressaient dans ma vie. Le juste juge, l'arbitre, a établi que
grâce. Il m'a fortifié. Il m'a soutenu. L'heure est venue de mon rétablissement, de mon redressement, de ma libération totale, de cette manifestation, de la santé totale, l'épanouissement total, foyer restauré, santé restaurée, finance restaurée, percée restaurée, intelligence restaurée, vigueur restaurée, éclat restauré, percée restaurée, délivrance restaurée. Il me restaure comme il a restauré Job. C'est la saison parce que je déclare. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Et je déclare depuis la croix où je me réfugie, où je me tiens sur la fondation, où postasis sur le socle, sur la structure de la parole qui est sortie de Dieu depuis 2000 ans. Lorsqu'il a dit, tout est accompli. Lorsqu'il a dit, enfantement, fécondité, c'est accompli, définitivement, accompli, qui se détruit, Kayara Mamo, là on avait dit, infirmité, impotence, impuissance, j'annonce, je déclare, là on avait dit, impossibilité, j'annonce, j'annonce, je crois, je proclame, je décrète, je certifie, j'atteste par le Saint-Esprit qui habite en moi. En grâce, la foi voit, la foi regarde avec les yeux du cœur. Chacun a des bas. Aujourd'hui, ne demande rien. Aujourd'hui, ne demande rien. Aujourd'hui, rends grâce. Parce que tout est. Est-ce que tu entends mon âme? Est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois? Il te sera fait selon ta foi, pas selon tes prières, mais selon ce que tu es capable de voir. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Regarde les étoiles, c'est-à-dire, regarde ce que l'œil physique ne peut pas regarder distinctement. Parce qu'avec l'œil physique, lorsqu'il a dit à Abraham, il n'y avait pas de télescope, on ne pouvait pas
avec le physique, accompli, voir les étoiles. Tout est, et pourtant, tout est, Dieu lui a dit, tout est, regarde les étoiles, accompli, compte-les. Tout est, mais Dieu savait tout est, qu'il ne pouvait pas, tout est, avec l'œil nu, accompli, compter les étoiles. Tout est, alors pourquoi tout est, il lui a dit tout est, de regarder les étoiles accompli, et de les compter. Tout est, pourquoi tout est, pourquoi tout est, pourquoi accompli, Dieu voulait tout qu'il regarde tout avec le cœur et qu'il dise accompli, infini, tout c'est infini, tout c'est illimité, tout c'est infini. Accompli, Dieu ne voulait pas tout qu'il me dise tout avec mon œil. Tout je peux voir accompli, Andromède. Tout je peux voir Mars. Tout il n'aurait compté que 12. Tout il n'aurait compté que 13 accompli, planètes. Non tout mais avec le cœur, il pouvait voir tout ce que l'œil accompli, ne pouvait pas regarder. Tout et quand il a vu avec le cœur, il a dit tout c'est illimité. Accompli, Dieu lui a dit tout bien vu Abraham. Tel sera ta postérité. Tel sera ta postérité. Parce que Abraham a mis le cœur, a mis la foi en action. Chalé les paroles, et les mamans, et les mamans, et les mamans, et les mamans. Accompli, fixe les regards. Rien ne se fera aujourd'hui. Rien ne se fera aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est déjà fait. Regarde. 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 Il te sera fait. Pas selon tes prières, pas selon tes larmes, pas selon tes pleurs. Il te sera fait, il te sera fait selon ce que tu es capable de voir avec les yeux de ton homme intérieur, de ton esprit. Voilà pourquoi il dit, est-ce que tu peux voir? Quand on va te toucher tout à l'heure, ce sera uniquement pour appeler à manifestation ce qui est accompli, ce qui est fait, ce qui est scellé. Mais si tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de ta foi. Qu'est-ce que tu vois? Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois que, oui, crois que, oui, crois que, oh, crois que, oh, crois que, oh, crois que, oh, crois que, crois que, crois que, crois que, merci. Écoute-moi. Tu ne proclameras jamais assez. Tu ne proclameras jamais assez que tout est accompli. C'est le genre de phrase que tu as le droit de répéter en boucle et en boucle et en boucle. Et en boucle sans te lasser. Dans la douleur, Shekarama accomplit tout. Dans le tourment, dans l'affliction, face à ces démons, face à ces réclamations, ils n'obéissent pas aux prières. La prière, c'est pour te fortifier.
face aux démons. La prière, c'est pour te fortifier. Les maladies, les démons, les conditions n'obéissent pas à ta prière. Ils obéissent aux paroles de foi. C'est-à-dire qu'ils plient, ils cèdent lorsqu'ils trouvent une personne qui résiste avec une foi ferme en disant non, tout est accompli. Je refuse comme Abraham de considérer que mon corps est. Je refuse de considérer que mon foyer est. Je refuse de considérer que les parties génitales de mon corps sont. Je refuse de considérer que mes finances sont. Je refuse de considérer. Et sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité au sujet de toute aide. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et disant tout est. Lorsque Dieu a parlé, c'est fini. Le reste du combat, c'est le combat de la résistance et de la persévérance. Mais dans ce combat, Dieu a déclaré hier. Dieu n'avait pas déclaré, mais là Dieu a déclaré pendant les 21 jours que ce combat est terminé. Dès lors qu'il est terminé, et il est terminé, il est terminé, parce que depuis quelques semaines, ta foi a cessé de s'agiter. Elle est devenue stable. Parce que depuis quelques semaines, parce que tant qu'elle vacillait, c'est pas Dieu qui bloquait, c'est l'inconstance qui empêchait. Et depuis quelques semaines, depuis plus de 3 semaines, la foi d'une personne est devenue stable. Tu n'es plus effrayé, tu ne paniques plus, tu n'angoisses plus, tu ne déprimes plus, tu n'es plus découragé, tu ne dis plus ma vie est fichue, non, tu ne dis plus il y a un démon qui me bloque, tu ne dis plus Seigneur et pitié, non, tu ne dis plus cela. Depuis quelques semaines, tu as changé de vocabulaire, tu as changé de système de pensée. Depuis quelques semaines, tu dis je ne bouge pas, tout est carré de babos, récarra de babos, yéle de babos, aïe de babos, yéle de babos. Depuis quelques semaines, tu es convaincu, tu sais au delà de toi, tu sais dans ma santé, dans mon foyer, pour le fruit des entrailles, pour mes enfants, pour leur avenir, pour nos finances, pour le travail, pour les contrats, les opportunités, l'élévation, la distinction, le déploiement et l'expansion, pour le triomphe, la liberté, plus de harcèlement, plus d'oppression, plus de douleur, plus de démons, de sorcellerie qui se promènent dans mon corps. Tu le crois déjà, tu le crois déjà, et tu sais que c'est ça, que c'est ton héritage, et tu tiens sur cette fondation, et parce que tu as résisté. Désormais. Amen.
tout est, oh tout est, sur ma vie, ma destinée, sur ma santé, sur mes enfants, mon héritage. Il est là-bas, il est là-bas. Est-ce que tu pourrais, juste pendant quelques instants, annoncer dans quel domaine tout est accompli? Parle. De manière détendue, la foi produit le repos. Parce que c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qu'il existe. God is. Pas qu'il était, mais qu'il est. Pas qu'il sera, mais qu'il est. Il est. Il a dit, je suis celui qui suis. On m'appelle je suis. Ne me mets ni au passé, ni au futur. Ce que je manifesterai demain, c'est ce qui est déjà établi aujourd'hui et qui a déjà été accompli hier. Je suis. Qu'est-ce qui est accompli? Dis, je ne mourrai pas. Personne dans mes enfants ne mourra prématurément. Aucune victime collatérale des autels qui parlent contre le pays ou contre ma famille. Dis-le, dis-le. Aucune victime. Dans ma maison, chez moi, aucune. Avec une ferme assurance, dis-le. Aucune maladie ne demeurera, ne demeure. Personne ne mourra de maladie. Personne. Dis-le. Carare la morso. Annonce que personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Annonce-le. Personne ne tiendra devant moi, devant nous, tant que nous vivrons. Il n'existe plus aucun homme, aucun sorcier, personne. Il n'existe plus. S'il existait, soit il vient de changer la vie, soit il vient de mourir. Il n'existe plus. Chacun les catalyses. Proclame. Dans le repos. Annonce. Rosso Papa. Aucune prison ne pourra plus jamais te retenir. Dis-le. Quel est cet esprit qui poursuit ta famille et qui poursuit ta vie? Qui a parlé, contrôlé ta famille et qui essaie de contrôler ta trajectoire? Quel est son nom? Dis-lui, ce soir, c'est fini. C'est accompli depuis 2000 ans. Ce soir, plus jamais. Il n'y aura plus de traces de toi dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mes enfants. Il n'y aura plus de traces. Il ne te sera pas fait selon tes prières. Il te sera fait selon ta foi. Yere de mambo sore, y padere de mambo sore.
corposare. N'attends pas de sentir. Sentir, c'est la chair. La foi ne sent pas. La foi sait. Elle est consciente. N'essaie pas de sentir. Sache. Ne cesse pas de prier. Ricarada mandele de brosso para de brosso. Baba baba ravitele. Saint-Esprit me dit, Église, ne te fie pas à tes sens. Ne cherche pas à sentir, mais sache. Ça veut dire sois conscient. Sache, ne sens pas, sache. Regarde à ce qui est accompli. Crois dans ce qui a été accompli. Il me donne un passage. Et quand nous allons prier ensemble, ne cherche pas à sentir. Sache seulement. Vois la scène. Vois tout ce qui quitte ta vie. Tu dois voir ça. Vois ce mouvement.
comment ça va sur lui pendant qu'il était à la croix. Et vois comment la vie éternelle, vois comment l'héritage, vois comment le meilleur que Dieu avait pour l'homme avant la chute, vois comment ce meilleur se déplace et entre et s'installe en toi. Vois simplement cette scène. Crois à la vision que tu vois. Cette vision va se manifester ce soir. S'il n'y a pas besoin de foi, s'il n'y a pas besoin de la foi pour voir, il n'y a pas besoin de Dieu. S'il n'y a pas besoin de foi, il n'y a pas besoin de Dieu. Là où il y a besoin de Dieu, la foi est indispensable. Et cette foi ferme qui ne chancelle plus parlera ce soir. Vois-le. J'ai juste deux passages qu'il me donne dans Nombre chapitre 21 et Jean chapitre 3. Nombre chapitre 21. Au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, quiconque aura été piqué, quiconque aura été atteint, quiconque aura été marqué, quiconque aura été affecté, quiconque aura été blessé, quel que soit le domaine où il a été mordu, quiconque aura été mordu et regardera ce serpent perché, quiconque le regardera conservera la vie. Au verset 9, il est écrit, Moïse fit un serpent d'airain ou de bronze. Il le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et fixé et regardait et observait et voyez le serpent des reins conserver la vie. Quiconque fixait le serpent que Moïse avait hissé conservait la vie. Il était restauré, rétabli, guéri. Jean chapitre 3. Au verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui reçoive, obtienne, détienne la vie éternelle. Ici, Jésus confirme que le serpent des reins n'était qu'une ombre de Jésus perché à la croix. Et si hier, avec Moïse, au temps de Moïse, si cette parole s'est accompli et a été efficace avec un serpent d'airain. Si pour un serpent d'airain, la Bible dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent conserver la vie. Ce passage ne dit pas que tous ont regardé
le serpent des reins. Non. Parce que la vérité, c'est que quand Moïse a donné cette instruction, plusieurs parmi le peuple ont continué de douter, de murmurer, de se plaindre. Mais il ne dit pas tous, regardèrent le serpent des reins et furent guéris. Non. Il dit parmi ceux qui avaient été touchés, quiconque, ceux qui avaient été mordus, quiconque regardait le serpent, fixait sur lui les regards, conservait la vie. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas tous qui ont regardé. Parce que plusieurs regardaient encore au sol. Mais ça fait mal. Oui, mais ça pique. Oui, mais j'ai mal ici. Oui, mais Moïse, quand tu parles, regarde la douleur. Regarde le bobo. Regarde comment ça fait mal. Regarde ma condition. Regarde ma situation. De quoi tu parles? Tu vois pas que j'ai... Parce que plusieurs sont focalisés sur la douleur. Plusieurs sont focalisés sur leur condition. Plusieurs sont focalisés sur leur malheur. Plusieurs sont focalisés. Dieu parle, regarde, non, regarde-toi. Dieu dit, regarde, non, toi, Dieu, regarde. Dieu dit, non, toi, regarde. Quiconque regardait, obéissait, acceptait de se détourner de sa douleur, de sa condition, de sa situation. Elle faisait mal, mais quiconque acceptait de se détourner, fixait le regard sur le serpent des reins, était guéri. Ne crois pas, mon frère, ma soeur, ne crois pas que se détourner de sa condition, de sa douleur, de sa situation, ne crois pas que se détourner est une évidence. Non, parce que la douleur a une voix et la douleur capte l'attention. La douleur empêche de regarder. Parce que la douleur dit, moi je suis naturel, je suis réel. Mais ce que tu es en train de regarder n'est pas réel. Comment peux-tu fixer les yeux sur Christ? Ayez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de votre foi, celui qui l'amène à la perfection. Ça veut dire que se détourner et regarder à lui, c'est une lutte. Il faut être déterminé. Il faut une foi ferme. Alors que la douleur te dit, non, 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 arrête. Regarde encore à moi. Tu dis, non, je regarderai. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection. Oui, mais j'ai mal ici, derrière le poing, derrière la cheville. Ayant les regards fixés sur Jésus, fixés sur la croix du Golgotha, fixés sur la croix du calvaire. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur de ma foi est celui qui l'amène à la perfection. Oui, mais regarde, il y a un démon qui t'oppresse. Regarde, ton mariage est bloqué. Il y a un esprit d'échec, un esprit des eaux. Non, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection. Abraham ne considéra point. Je ne considère pas. Je refuse de considérer. Fixez les regards sur Jésus, l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. C'est ce genre de personne, le quiconque. Aujourd'hui, Dieu va visiter surnaturellement le quiconque. Le quiconque, celui qui fait partie de quiconque est celui pour qui la manifestation est visible aujourd'hui. Seigneur, je suis dans le quiconque. Je fais partie des quiconques. Je suis dans le nombre des quiconques. Je suis dans le nombre des quiconques. Rekararababo sokarare mama. Y a-t-il un quiconque pour croire et acclamer? Y a-t-il un quiconque dans la salle?
Y a-t-il un quiconque dans les salles annexes? Y a-t-il un quiconque sur Internet? Les quiconques ne fixent pas leur attention, leur concentration sur Moïse. Non. Les quiconques ne regardent pas Moïse. Ils regardent au serpent des reins. Ils ne regardent pas à qui est-ce qui est en train de prier. Ils ne regardent pas à qui est-ce qui me touche. Ils regardent à Jésus, l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection, celui qui a tout accompli, celui qui a dépouillé les autorités et les dominations et qui les a privément livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les quiconques ne cherchent pas un homme de Dieu en particulier. Ils regardent à Jésus. Alors, nous sommes les quiconques ne regardent pas aux humains. Ils regardent à Dieu. Et ils savent que c'est l'homme qui a donné l'instruction, mais que c'est Dieu qui, à travers l'homme, étend sa main. Les quiconques le savent. Les autres raisonnent beaucoup trop. Mais les quiconques conservent la vie. Ça veut dire, ils manifestent ce qui était déjà en eux. Ils le manifestent. Et la vie éternelle domine en eux, prévaut en eux. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, qui a la foi, et la foi voit, quiconque croit, voit, visualise le Fils de l'homme. Celui-là, il a la vie, il la reçoit et la manifeste. Maintenant, je vais faire un appel pour les quiconques. Quel que soit l'espace, la salle, parce que tout est plein. Les quiconques savent que ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument. Nous sommes pasteurs, assistants, pasteurs chargés de prière, répartis dans toutes les salles. Donc l'objectif, ce n'est pas que tout le monde vienne ici. Le quiconque a compris ça. L'objectif, c'est juste un accord de foi. Une imposition de main. Est-ce que je peux avoir les fioles d'huile d'olive devant, s'il vous plaît? Les fioles d'huile d'olive devant. Quiconque, c'est moi ça. Quiconque, c'est un appel pour toi. Quiconque. Dieu ne t'a pas fermé la porte. Quiconque, il te tend la main. Quiconque. Élève ton niveau de foi. Quiconque. Crois seulement. Quiconque. Et obéis. Quiconque. Regarde à lui. Quiconque, prière d'arrêt. Oh,
Regardera à la croix, à Christ crucifié, à l'échange divin, au transfert. Regardera quiconque, il te tend la main. C'est toi qui l'appelle, c'est toi qui l'appelle. Il te tend la main. Quiconque croit à l'élévation. Quiconque croit. Et la bosse. Quiconque. Quiconque. Merci. Tu as dit dans ta parole, dans Jacques au chapitre 5, si quelqu'un est malade, que ce soit une maladie d'origine démoniaque ou naturelle, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne, que les anciens lui fassent une onction d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade. Sauvera celui qui est affligé et le Seigneur le relèvera. Merci de ce que ce soit. Dieu confirme cette parole. Merci de ce que tout est accompli. Mais cela se manifeste pour quiconque regarde, fixe les regards, le cœur. Vois la scène. Si tu le crois, quelle que soit la salle où tu te trouves, tu vas juste avancer. Quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce qu'on a déclaré, je fais un appel pour ceux qui sont malades ou oppressés. Si c'est la percée, c'est fini, c'est réglé. Si c'est le mariage, c'est fini, c'est réglé. Mais toute personne qui sait que dans son corps, elle sent encore une oppression, une maladie ou une infirmité, viens devant, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Yera rambro sore re bro sora re bro sore Ya re bro sore Yera rambro sore re bro Shara re bro sore Yera rambro sore re bro Yera rambro sore re bro Yera rambro sore re bro de sentir. Il suffit de regarder, de fixer les yeux sur la croix et de voir l'échange. Quiconque, et de la mambrosse, et de la mambrosse, et de la mambrosse. Seigneur, merci pour cette huile naturelle jusqu'à présent et que nous recommandons à ta grâce. Alors que nous te la présentons, elle perd son caractère naturel par la prière d'action de grâce et de recommandation. Elle devient consacrée. Elle devient sanctifiée. Tout ce qu'elle touchera porte le sceau de l'approbation divine et l'onction d'Esprit Saint et de puissance.
merci, lorsqu'il en est ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez faire distribuer aux chargés de prière. Sois certain. Cette parole va s'accomplir aujourd'hui. Confirme tes paroles. Fais monter. C'est le moment. Ce soir. Fais monter. Yeah.
deviens. Oh, esprit de Dieu. Entre les jours. Oh, vive le jour. Entre les soirs. Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oh, Seigneur, Seigneur. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de joie, esprit de joie, esprit de pardon, esprit de lumière. Yeah.
de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu. 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 Souffle l'Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Souffle ton esprit. Souffle ton feu. Envoie ton feu, Esprit de Dieu. Envoie le feu. Envoie ton feu. C'est là. Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est la fête. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est la fête. Nous t'appelons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est là, 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 c'est maintenant, oh, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Oh, Esprit de Dieu, viens. Oh, Esprit de Dieu, c'est là, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens. C'est là, c'est là.
bien délivré. C'est l'heure, oh, c'est maintenant. Nous t'accueillons. Viens et agis, Esprit. Viens et agis, que tu viens. Oh, viens et agis. C'est l'heure, viens et agis. Nous t'accueillons. Viens et guéris, Esprit. Viens et agis. Esprit de paix, esprit d'amour, esprit de réconciliation, esprit de complémentarité, esprit d'unité, esprit de guérison, esprit de Jésus, esprit de souveraineté. Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Oh, Esprit de Dieu, viens et agis, viens et guéris, viens et délivre, viens et brise les jours. Oh, les fardeaux, c'est maintenant. De Dieu. C'est l'heure, c'est maintenant. C'est maintenant. Agis. C'est maintenant. Nous t'appelons, nous t'accueillons. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.
es invoqué en ce lieu. Tu es invoqué en ce lieu. Tu es invoqué. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Venons enfoncer l'autel de la gloire. Nous t'accueillons. Ô Esprit de Dieu. Viens, 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 viens. Tu es là pour guérir, tu es là pour délivrer, tu es là, oui tu es là, t'accueillons, tu es là pour exaucer, tu es là pour restaurer, relever, tu es là pour exaucer. Tu es là, tu es là pour sauver, tu es là pour délivrer, pour libérer les captifs, délivrer les opprimés, tu es là, Esprit de Dieu, oh, on perd des merveilles, on perd des prodiges. Et maintenant, c'est tout de suite, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, c'est là, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, c'est maintenant, Esprit de Dieu. Esprit de feu, Esprit de tout puissant, redoutable, Esprit de Dieu, oh incomparable, oh indépendable, inarrêtable, oh insolvable, Esprit de Dieu. Dieu vient, viens le toucher, ta gloire est là, ton esprit est là, ton nom est là, ta faveur est là, ta grâce est là, Esprit de Dieu. Don't think.
de sainteté. Pour la manifestation de ce qui est déjà accompli. Cette parole est certaine, véritable et entièrement digne d'être reçue. Aucune des paroles prononcées depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui ne restera sans effet. Nous te rendons grâce parce que c'est la parole que tu as envoyée et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Père, nous te remercions. On avait dit atmosphère de miracles. Aujourd'hui, on a juste focalisé sur ceux qui sont malades et oppressés. Les miracles ne s'arrêtent pas aux maladies et aux oppressions démoniaques. La vérité, c'est que il y a eu des cascades de miracles pendant ces 21 jours. Et ce que parce que tout ne peut pas être mesuré maintenant. Mais des percées surnaturelles ont été réalisées. Des conjoints inconvertis se convertissent maintenant. Des enfants rebelles, une voix leur parle et la main du Seigneur les ramène et en fait des disciples de Jésus. Des dettes ont été supprimés. Et si on ne t'a pas encore appelé, c'est une question de semaine. Des opportunités, des faveurs, des connexions, des contrats, des promotions ont été relâchées. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester
cramponné à l'autel de la croix. Par la foi. Et tout à l'heure, pendant que je conduisais, la même voix du Saint-Esprit m'a dit, dis-leur, tu prends les 21 jours en MP3 ou en vidéo, qu'importe, mais tu restes dans cette atmosphère. Tu restes dans cette atmosphère. Parce que cette atmosphère est extraordinaire. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, c'était quoi, avant-hier? Et puis j'ai le feu, j'étais en train d'écouter, mais à un moment donné, le feu est descendu sur moi au volant. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Il y a une onction extraordinaire dans ces 21 jours. Le coffret sera disponible dès dimanche. Le coffret sera disponible dimanche. Mais si tu ne veux pas prendre le coffret, ça te regarde. Mais prends. Tu peux écouter sur ma page YouTube, c'est, tout est là. Le seul problème, c'est que des fois, il y a des zones où il n'y a pas Internet. Donc, c'est compliqué, ça coupe. Et en même temps, quand je suis avec, dès que je sors de la page, dès que je reçois un appel, aussi, ça coupe. C'est compliqué. Donc, moi, je prends le CD. Je prends le coffret en CD ou en MP3. Mais tu es obligé de le prendre, il n'y a pas de problème. Mais je t'en supplie, reste cramponné à cette atmosphère. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Là, très honnêtement, quand j'ai écouté ça, il dit ça, c'est pas un homme qui est en train de prier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier à travers un homme. Ça, c'est pas l'homme. Reste connecté à cette atmosphère. C'est impossible que ça échoue. C'est impossible. Aujourd'hui, on a focalisé sur ceux qui sont malades et qui sont oppressés. Tout ce qui t'oppressait ne t'oppressera plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais. Reste cramponné à l'autel de la foi. Ne m'appelle pas demain pour me dire cette nuit il y a un esprit qui... Non, il ne peut plus. Ton homme intérieur a changé de stature, c'est fini. Il y a des choses qui se produisaient parce que l'homme intérieur n'était pas fort. À cause de cette nouvelle force de ton homme intérieur, ceux qui venaient te rendre visite en te voyant vont prendre la fuite par cette chemin au nom de Jésus. À partir de maintenant, là où hier on t'avait fait faiblir, tu fais plier tes adversaires et tu fais tourner le dos à tous tes ennemis. J'ai dit, ils prendront la fuite par cette chemin. Lève la main. Père, non, c'est moi qui prie. Nous te rendons grâce pour les dépôts déposés, pour la force libérée, pour les miracles qui se manifestent. Ils ont commencé, ils vont continuer. Pour les signes que mon frère, ma soeur deviennent au nom de Jésus. Pour l'étonnement, les prodiges que nos vies inspirent. Plus de limites. Notre réquisition en cette fin d'année est totale. Elle est totale au nom de Jésus. Personne. Aucun esprit mauvais, aucun gardien satanique des hôtels familiaux, ethniques, territoriaux, ne pourra plus jamais prévaloir contre nous. Mon frère et ma soeur, hier, avant les 21 jours, se battaient seuls. Maintenant, nous sommes une armée, un même cœur, une même âme, un même esprit, une même pensée. Merci. Accorde-nous la grâce de demeurer dans l'atmosphère de ces 21 jours. Dans le dépôt déposé. Accorde-nous la grâce de baigner dans cette atmosphère. Merci. Nous voulons faire deux choses. Maintenant, baissez la main.
prendre une offrande d'action de grâce. Comme j'ai dit, on n'a pris aucune offrande, aucun jour pendant les 21 jours. Et Pasteur Jacques, on prend les témoignages. On peut en prendre quand même. Ouais, mais. Ah oui, oui, non. Écoutez, les témoignages. Il y a le stand témoignage qui est là, voilà. Voilà, c'est parce que comme il fait tard, c'est ça. On ne va pas faire les courses à 22 heures. Ok. Tous les témoignages ne partent pas. Beaucoup ont été visités. Pas aujourd'hui, déjà avant. Dis amen si ceci, tu sais que tu as été visité. Voilà. Donc non, il y a un stand témoignage. Prenons le temps de faire la queue, partageons les témoignages. Et nous allons prendre une offrande. Vous allez faire l'offrande que vous voulez d'action de grâce. Moi, j'ai reçu pour moi, je vais faire 365 jours, c'est ce que j'ai reçu. Celui qui peut faire cette offrande, fait cette offrande. Celui qui ne peut pas faire cette offrande, ne fait pas cette offrande, qu'il fasse comme il a résolu dans son cœur. Amen. Voilà. Mais moi, ce que j'ai reçu, c'était 365. C'est prophétique. On va incliner la tête. Nous allons incliner la tête. Waouh. Église, ces 21 jours ont vraiment été particuliers. Et la manière dont le Saint-Esprit nous a conduit pendant ces 21 jours, à titre personnel, c'était complètement nouveau. C'est une nouvelle grâce. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle onction. C'est une nouvelle autorité. Et cette onction est sur toi au nom de Jésus. Cette onction, de manière certaine, ouvre la bouche seulement. Là, oui, il la remplira. Ça veut dire que lorsque tu vas, assure-toi juste que ton cœur soit sincère. Assure-toi que ton cœur soit pur. Assure-toi que ton cœur soit irréprochable. Si ton cœur est sincère, pur et irréprochable, quand tu ouvriras la bouche, c'est lui qui remplira. La même grâce qu'il y a sur moi vient sur toi. Dans le nom de Jésus. Inclinons la tête, nous allons prier pour cette offrande. C'est une offrande pour les 21 jours. C'est une offrande pour dire merci à Dieu. C'est une offrande. Je rappelle que le 31 décembre, ça n'a rien à voir avec cette offrande. Le 31 décembre, nous, à Impact Somme Chrétien, on amène toujours nos voeux au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Avant que les hommes n'aillent voir le chef de l'État français, nous, on vient devant Dieu avec toujours des offrandes qui sont un vœu amené à Dieu. Et le vœu résume l'ensemble des soupirs et des désirs que nous avons, les aspirations que nous avons pour 2016, et nous accompagnons les temps de prière du 31 décembre d'une offrande qui est un vœu. C'est une offrande d'action de grâce, c'est un vœu. Là, je ne suis pas en train de parler de ça. Ce que j'ai reçu pour les 21 jours, c'est juste une offrande. Je ne sais même pas pourquoi, mais c'est 365. Ça couvre, ça scelle. Je ne sais pas ce que ça va faire dans les 365, mais moi j'obéis. Vous savez, comme Dieu parle, moi j'obéis. Seigneur, merci. Seigneur, que pourrions-nous dire pour exprimer notre gratitude? Que pourrions-nous offrir qui pourrait égaler ce que tu as fait dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans notre foyer, dans notre système de pensée? Quelle offrande pourrait égaler le niveau du dépôt divin déposé dans nos vies par le Saint-Esprit? Quelle offrande pourrait égaler, pourrait être comparée à la libération, au mandat de la grâce que tu as proclamé pendant ces 21 jours? Tout ce qui a été fait, tout ce qui a commencé d'être manifesté et que nous attendions n'est que le résultat de la grâce. Tu as entendu nos cris, tu as eu compassion, tu as ordonné. Grâce. Tu l'as fait. Tu as ordonné grâce. Tu as dit que le Dieu redoutable se lève en notre faveur. Tu as libéré tellement de paroles. Et chacune de ces précieuses paroles, nous allons les réécouter. Nous allons les garder dans notre cœur. Les serrer dans notre cœur. Selon qu'il est écrit, écris la vision, la prophétie. Garde-la. Imprime-la, grave-la, grave-la sur les tables. Nous allons la graver sur les tables de nos cœurs. Et elle sera tout le jour
l'objet de notre méditation. Merci pour la puissance de la grâce. Merci pour le combat de la foi que nombreux, plusieurs d'entre nous étions en train de combattre, en train de nous demander quand est-ce que ça s'achèvera, quand est-ce que ça finira. Seigneur, aie compassion. Merci de ce que tu nous as mené dans une dimension de persévérance, de patience et de repos dans la foi. Merci de ce que tu as sifflé la fin de ce combat de la foi. Et l'exaucement, la manifestation a déjà été scellée, c'est fini. Désormais, nous sommes dans une posture de réceptivité pour la manifestation de ce pourquoi nous avons longtemps combattu. Merci de ce que, après avoir souffert un peu, la saison est venue où tu nous redresses, tu nous rétablis, tu nous remets en ordre, tu nous répares les dommages, les douleurs. Seigneur, merci de ce que tu nous rétablis comme tu as rétabli Job, comme tu as rétabli Joseph après qu'il ait souffert un peu, comme tu as rétabli David après qu'il ait souffert un peu. La saison est venue pour notre rétablissement total, notre perfectionnement. Et désormais, ce que tu avais dit que nous devions être, maintenant, nous sommes qualifiés pour l'être par le Saint-Esprit. C'était douloureux, mais merci, nous sommes certains de la manifestation de toutes ces paroles. Et nous te rendons la gloire pour cela. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci de nous avoir conduits chaque jour. Merci pour cette offrande juste prophétique, pour ta main exceptionnellement étendue sur nous tout le long de l'année prochaine à venir. Merci pour ce que tu as fait. Une chose est certaine, assurément, aucun d'entre nous ne commencera 2011-2017 dans les mêmes défis, embarras, frustrations, aigreurs, soupirs, gémissements. Non, c'est fini. C'est fini. 2017 commencera la tête haute, le cœur rempli d'une joie parfaite, indescriptible, pleine de gloire. Je te remercie. Avec des cascades de témoignages à la gloire de ton nom. 2017 sera pour nous une année qui suscitera l'étonnement. Où l'étonnement, où le mot prodige prendra un visage. Le mot signe aura un visage. Quand on parlera d'un prodige, on dira voilà le prodige. Quand on parlera d'un signe, on dira c'est lui le signe. C'est elle le signe. C'est un panneau de signalisation de ce que c'est possible. Quand on parlera de miracle, on ne résumera plus le mot miracle à une guérison, à une libération, mais on mettra sur le mot miracle un visage. On dira voici le miracle vivant, le miracle manifesté, chef-d'œuvre de Dieu, merveille à nos yeux. Et Seigneur, dès maintenant et dans la suite, nous te rendrons toute la gloire. Nous ne garderons pas pour nous. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Simplement, merci. Merci. Thank you. Merci. Aucune des prières montées vers toi n'est montée en vain. Merci pour une nouvelle force. Et la preuve de cette force libérée, c'est la capacité à tenir ferme,
Là où hier nous lâchions, nous cédions, nous pleurions, c'est fini. Plus de céder, plus de pleurs, plus de larmes. Ça ne sera que de larmes de gratitude, plus de larmes de douleur, c'est terminé. Le sceau du Saint-Esprit est sur chacun d'entre nous pour manifester toutes les paroles qui ont été proclamées depuis ce pupitre. Merci pour cette offrande que nous recevons et nous prions d'emblée que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Attendez, vous êtes trop rapide, on n'a même pas encore fini, vous faites déjà passer les paniers doucement, on n'a pas encore fini. Les gens ne sont pas prêts, ils sont encore les mains levées en train de célébrer. Et enfin, je voulais vous annoncer que Dieu m'a fait la grâce d'écrire enfin, ça fait longtemps, ce livre que vous pouvez, franchement, je crois qu'il sera une bénédiction pour toi et pour les gens. Arrête d'offrir des PS, des DS, des je sais pas quoi. Offre des vraies choses, offre des livres. Et il vient de sortir, il s'appelle Vivez l'extraordinaire divin. Et je suis en train d'écrire le deuxième tome. Je suis certain. Je prépare le livre sur le mystère des autels. Oui, attends. Tu peux écouter tout ce que tu veux sur les autels. Tant que tu n'auras pas compris ce livre et la suite, tu vas avoir à accumuler de l'information. Mais on ne brise pas les autels tant qu'on n'a pas franchi le cap de la maturité spirituelle. Et ça, ça parle de l'héritage, ça parle de la réalité de l'extraordinaire divin. Et ça te démontre que c'est possible et comment on fait pour le vivre. Il faut que cette vie soit manifestée de ton vivant. On ne peut partager que ce qu'on a. On ne peut vivre, on ne peut dire que ce qu'on connaît. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Je suis convaincu qu'il sera une bénédiction pour vous. Amen. Voilà. Et rappelez-vous, notre défi des bâtisseurs du royaume, j'attends mes mille contributeurs, 1000 ambassadeurs bâtisseurs du royaume. J'en attends 1000, vraiment. J'aimerais te demander de dire à ton voisin, mais toi, pourquoi tu t'es pas encore inscrit dans les ambassadeurs bâtisseurs? Oui. Pourquoi tu t'es pas encore inscrit, voisin? On ne comprend pas. Va trouver 5 personnes. Engage-toi d'abord, va trouver ensuite. Voilà, c'est ça la foi. La foi, on s'engage d'abord et puis on va chercher. Et Dieu conduira vers toi les bonnes personnes. Si tu es jeune et que tu as 16 ans, toi aussi ambassadeur bâtisseur. 15 ans ambassadeur bâtisseur. Tous les enfants sont concernés. Voilà. Au-delà de 12 ans. Dis amen. À partir de 12 ans, tous les enfants doivent trouver 5 personnes. 5 collègues de classe. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Merci. Voilà, excellente soirée. Nous allons prendre notre offrande. On va faire circuler les paniers maintenant. Voilà, maintenant on prend l'offrande, on fait circuler les paniers. Et on se salue les uns et les autres. Et on dit quoi à notre voisin, à cette personne, tu dis? Tout est accompli. Voilà. Dis à cette personne, tout est accompli. Reste connecté, prends le message de 21 jours, écoute-le simplement. Dieu vous bénisse, excellente soirée. À dimanche 8h et 8h30 et 11h. N'oubliez pas vos témoignages au stand, s'il vous plaît.